Nahi, c'est sûr que c'est vraiment une grosse équipe à jouer. On a eu de la misère contre eux en saison régulière. Mais je pense qu'une fois que tu t'embarques dans les séries, là, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau match. Alors, peu importe qu'est-ce qui s'est passé contre eux en saison, on met ça derrière nous, là, puis on se prépare là, à jouer un gros match le mercredi. Très complet, très très bon. Bonnes individualités. Et pour moi, c'est l'équipe la plus homogène et l'équipe qui est, à mon avis, favorite pour le titre, de point de vue de leur effectif, qui ne se base pas justement sur quelques gros pointeurs comme Brest, qui, si eux, on l'a vu ici, eux, quand ils sont passés à côté du match ici, même si nous on fait un super match, eux, ils ont raté quelques grosses occasions, ça leur a coûté le match. Et que Neuilly, ils ont vraiment trois grosses lignes et capables de faire la diff sur chacune des lignes. Et ça va être très très dur. Neuilly, oui, non, une équipe complète. Probablement avec Mulhouse, l'équipe la plus structurée. C'est une équipe qui ne triche pas, qui sont bien en place. On les a rencontrés deux fois cette année. C'est la seule équipe qu'on n'a pas réussi à aller chercher de victoire contre eux autres. Donc, ça va être très, très dur. Mais disons qu'on a hâte de les recevoir ici quand même chez nous, là. On a une revanche à prendre aussi. Ils ont battu ici le premier match de la saison. Puis en play-off, hein, tout recommence. Fait que non, on les attend, on a l'air de les voir. Ah, ça va être un match très intense, très rapide. Physique aussi, on a des gros bonhommes. Vraiment, là, c'est un match à ne pas échapper. Là, on a l'avantage de commencer à la maison, à la demi-finale. Alors, c'est important de prendre la victoire quand elle passe à la maison. Parce qu'après ça, ça va être deux matchs compliqués à Neuilly. Alors, c'est sûr qu'il faut commencer du bon pied là, puis aller chercher le premier match à domicile. Quel genre de match? Compliqué. Très compliqué. Fermé jusqu'à temps que la première équipe mette le but, tout du moins sur ce premier match. Après, à Neuilly, ce sera encore une autre histoire. Mais sur ce premier match, je pense que ça va être une guerre tactique et la première équipe qui fera une erreur va la payer cash. Un match intense pour faire changement. En série, tous les matchs sont très intenses. Ça va être un match où vraiment, je pense que ça va aller très vite. Parce que Neuilly, c'est pas une équipe qui donne de surnom. C'est pas une équipe, ils sont disciplinés, ils sont en place. C'est pas une équipe qui triche. Ça va être un match vraiment où il va falloir profiter de chaque chance qu'on va avoir, parce qu'on va en avoir peu. Ce ne sera pas un match ouvert, mais ça va être un match très rapide. Ça va être un match physique. Tout le monde va être en place. Il va falloir vraiment y aller à fond. Puis on verra, hein, il y a aussi la question de chance là-dedans. Il va falloir que ça tourne un peu de notre côté aussi, avoir les bons retours, avoir les... Mais non, tout est possible. On joue chez nous mercredi devant une bonne foule aussi, on l'espère encore une fois. Fait que non, on a hâte qu'il arrive nous rendre visite. Ouais. Ben, de là à dire un avantage qu'on joue sur une grande glace, je ne sais pas. Parce que eux, oui, ils jouent sur une petite glace, mais il y a d'autres grandes glaces aussi sur le territoire de la Division 1. Mais je crois que l'avantage, c'est de débuter devant nos partisans à la maison. C'est là qu'il va falloir en tirer avantage pour quand même être une grosse première partie là, pour s'imposer dès le début. L'avantage, je ne pense pas. Pour nous, c'est toujours mieux de jouer sur grande glace, sur petite glace. Je dirais, si tu gagnes mercredi, tu as un coup à jouer à Neuilly. Si tu perds mercredi, ça va être compliqué d'aller gagner deux matchs à Neuilly. Donc, certes, c'est mieux pour nous. Un avantage, je ne pense pas. Mais comme je disais, ça va être très très compliqué comme match. Ben, bête noire, oui, on a eu de la difficulté contre eux. On a été 0 en 2. Mais le premier match avait été âprement disputé. On avait perdu le match au troisième tiers. Et le match qu'on avait joué à Neuilly, on avait joué deux premiers tiers de très ordinaire. Et on s'est ressaisi au troisième tiers. Puis comme je disais au début, les séries, c'est une nouvelle aventure. C'est un nouveau départ. Alors c'est le temps là, de tout laisser, qu'est-ce qui s'est passé au début là, en arrière de nous, puis de débuter très fort là, le premier match de demi-finale? La bête noire, non. Ben, c'est parce que Neuilly, au début de l'année, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'avait pas la même équipe non plus. Il manquait des personnes. Il y a eu beaucoup de changements, autant pour nous, autant pour eux.
C'est une équipe qui est difficile à jouer, vraiment, vraiment. Chez eux, cette année, je crois qu'ils ont perdu un point dans le championnat. Nous, on en a perdu deux. Fait que c'est à domicile, autant pour nous que pour eux. C'est vraiment des matchs qu'on se doit de gagner. Ils viennent ici pour faire un résultat, c'est sûr, mais je sais, c'est sûr qu'ils savent que ça va être difficile. Nous, c'est un match-là, on n'a pas le droit de l'échapper. C'est une équipe qui nous a pas réussi peut-être cette année encore, mais tout est à nouveau. On vient de sortir Montpellier. À cette heure, c'est Neuilly, c'est le prochain défi, puis on va le relever. Des difficultés, oui, c'était petite glace, c'est pas non plus ce que je préfère. Surtout quand, en plus défensivement, on était un peu à l'ouest. Mais donc moi, je fais pas non plus mon meilleur match, donc comme ça, c'était la cerise sur le gâteau, on a pris l'eau. Mais non, moi, de toute façon, si on veut aller loin, il faut que je sois irréprochable, donc on a plus le choix. Si on prend pas de but, on a gagné. Donc la règle, l'équation est simple, c'est 0 but encaissé, victoire. Donc voilà. Je crois qu'on a des vraiment bonnes chances. On a pris confiance contre Montpellier hier, dimanche. Vraiment, là, on est dans un bon état d'esprit. On est très confiants. Puis, faut débuter le match du bon pied. Faut pas leur laisser prendre l'avance. Puis, jouer un match comme on est capable de le faire à la maison. Puis, il devrait pas avoir de soucis. Là, on devrait bien s'en tirer. Ah, c'est du 50-50. En playoff, que tu sois. Il y a tellement d'impondérables. Hein? Les blessures, mais il n'y a pas d'excuses. Autant pour eux que nous, on ne regarde pas leur situation, on se concentre sur la nôtre, mais c'est du 50-50. On va y aller, on a nos chances. On va se battre comme on l'a fait toute l'année, toute l'équipe ensemble. Puis les gars, on se serre les coudes. S'il en manque un, ben. Il y en a d'autres qui prendront la place, puis on va y aller comme une équipe, comme on a fait depuis le début de l'année. Puis, disons que le premier match est très, très, très important, puis il joue chez nous. Fait que cet avantage-là, on va essayer d'en profiter. 100%. on n'a rien à perdre. On est en demi, c'était le but du club. On est capable de faire une finale, donc on est capable même de gagner. Mais bon, il va falloir sortir les doigts des fesses et puis jouer nos meilleurs matchs sur les 4, 5 ou 6 prochains matchs. Donc on a plus le choix.